Mbote na bino bandeko bandi afika ku television matondi mimi parce que bozali ebele connecté branché na chaîne na biso biso ba oyo ba umbi na bino ba lobeli na bino nga o abino la combattante de la presse congolaise Jeanne Lipezo tozali longo na die merci kaka niki boyebeti ko informer bino za ka devoir na biso na mkolo wa lelo to kiti pinza na Faden House na commune ya Gombe pona ko yako kozola bino actualité to Michael kana o isika conférence de presse oyo kolika awana oyo sika biso na bino to kota na bino to yeba makambo ninyango oyo penza na isika o to bayila muka babongiseli biso pona mukolo alelo to na bino de la coordination des opérations électorales de la muka ko lancé comme vous le savez au sein de la coalition la muka nous avons une structure qui était chargée de suivre le processus électoral, notamment pendant les opérations d'identification et enrôlement, le vote proprement dit. Nous vous appelions souvent pour recouvrir nos communications étape par étape. Et aujourd'hui, après ces chaos électoral que les cousins de Félix Tshisekedi Kadima a organisé, la COREL s'est fait le devoir de communiquer, dire au peuple ce qui s'est passé, comment, avec qui Kadima a organiser ces simulacres d'élections pendant 7 jours et 7 nuits, sans témoins, sans observateurs, en violation de la constitution, du calendrier électoral et des règles électorales. Et nous avons procédé à 3 étapes. La première étape. Pouvez-vous communiquer la preuve du simulacre des élections de la CENI? Depuis le début du processus électoral 2023 en RDC, la coordination des opérations électorales de la MUKA, COREL en sigle, à travers ses déclarations et communiqués, n'avait jamais cessé de tirer la sonnette d'alarme pour interpeller la CENI, dénoncer ses dérives et même proposer des solutions qui devait contribuer à rendre le processus électoral transparent, impartial, inclusif et apaisé. À tout cela, la CENI, avec arrogance, a réservé une fin de non-recevoir parce qu'elle était partisane. Aujourd'hui, il n'est pas question de revenir sur toutes les preuves de tricherie et de la fraude électorale planifié et exécuté par la CENI de M. Kadima, car pour nous, les rapports de la MOSECO et CC sont éloquents et nous y souscrivons. La COREL a effectué un travail de monitoring relevant de nombreuses irrégularités et opacités qui accompagnaient les activités de la CENI avant les élections. Les marchés de gré à gré, nombre de bureaux d'enrôlement et répartition des kits d'enrôlement disproportionnels entre les provinces, absence de la cartographie électorale, pas d'audit du fichier électoral, cartes d'électeurs de mauvaise qualité, non-affichage des listes des électeurs en violation des articles 6 et 8 de la loi électorale. Nous voulons démontrer à l'opinion tant nationale qu'internationale que voler n'est pas bon et qu'aucune personne sensée ne peut en âme et conscience dire qu'en RDC, il y a eu des dirigeants légitimes qui ont été élus par le peuple à travers les élections crédibles. Au regard de tout ce qui précède, le constat est amer. Il n'y a pas eu élection en décembre 2023, mais il y a eu plutôt un simulacre d'élection avec une fabrication des chiffres
pour des tricheurs amateurs. La CENI, qu'on a voulu neutre et indépendante depuis le pacte républicain de Sam City, s'est comportée comme une machine sans scrupules à nommer le président de la République et les députés. Ainsi, c'est pourquoi nous rejetons tout simplement les résultats de ces simulacres d'élections de 2023 à tous les niveaux. Il doit donc être entendu que la Mouka continue de réclamer la vérité des urnes, la souveraineté du peuple qui proviendra des élections crédibles. Ceux qui disent qu'en Afrique, et plus particulièrement en RDC, le vote est sociologique, ne comprendront jamais les voix que la CENI a attribuées à chaque candidat. Qui peut donc, par exemple, confirmer que M. Tshisekedi a eu 94% des suffrages au Congo central et que le candidat Fayulu n'a obtenu que 8544 voix sur 782304 votants. Et Omar Ndombe, Tshisekedi soit crédité de 93%, alors que Fayulu ne récolte que 3989 voix sur 396125 votants. Comment expliquer le manque de corrélation entre les influences réalisées par le candidat Fayulu pendant la campagne et les résultats annoncés par la CENI? Comment expliquer que M. Tshisekedi puisse battre le docteur Mukwege à Panzi chez lui? Et pour information, tenez que M. Tshisekedi a été crédité de 119 923 voix à Bukavu et le docteur Mukwege 9209 voix seulement. Quelle incongruité! Tshisekedi serait plus populaire à Panzi, là où même le docteur Mukwege travaille, non seulement comme médecin, mais comme pasteur, et qui est né grandi là-bas. Comment peut-on expliquer que M. Tshisekedi, le seul candidat à être traité de Moïbi, partout il passait pendant ses meetings à travers le pays, à Mwanda on l'a entendu, Mbanzangungu, Mbandaka, à Guémena, à Kikwit, Guadolite, à Lissala, à Kisangani, à Kenge? Comment puisse-t-il alors gagner spectaculairement partout? Non. Tout esprit sensé ne peut voir dans ces chiffres qu'une volonté primaire d'humilier le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2018 afin de tenter de laver l'opprobre qui habite M. Tshisekedi. Nos partenaires extérieurs, malgré leurs messages de félicitations hypocrites, se moquent ostentatoirement de la République démocratique du Congo. Comment interpréter des messages de félicitations assortis de recommandations et des exhortations pour prendre en compte les préoccupations des missions d'observation électorale relatives aux graves irrégularités constatées et documentées? Si l'organisateur des élections devient le premier à violer la loi qu'elle devait protéger, il se pose inéluctablement un problème d'homme de valeur et surtout de l'existence de l'État. La COEL s'inscrit en faux contre toute tendance à vouloir minimiser cette fabrication des résultats et à faire croire que les irrégularités et la fraude planifiée par la CENI n'ont pas entaché la crédibilité de tous les scrutins. La COEL persiste et signe qu'il n'y a pas deux standards d'appréciation de la démocratie et des critères électoraux. Ce qui est valable en Occident et dans les autres démocraties du monde doit aussi être valable
et appliquée en République démocratique du Congo. Les valeurs démocratiques sont partout les mêmes. Il n'est donc pas compréhensible ni acceptable que nous, nos partenaires extérieurs encouragent la fraude chez nous en prenant acte des résultats issus de la fraude ou en félicitant l'usurpateur. Les frustrations post-électorales constituent un gage sûr de l'instabilité de notre pays, de la persistance des conflits armés et de l'exacerbation du tribalisme primaire que M. Tshisekedi a instauré en RDC. Nous demandons purement et simplement l'annulation de ces élections et nous invitons le peuple congolais à ne pas accepter les autorités qui ne proviennent pas de son choix. Alors, ce qui s'est passé cette année ici, pourquoi alors qu'on nous enseigne qu'il y a eu 41 750 477 inscrits pour une élection qui s'est tenue pendant plus ou moins une semaine, que le nombre de votants puisse être seulement de 18 millions, pratiquement le même nombre qu'en 2018, et avec un pourcentage réduit comparativement au nombre d'inscrits. Comme ici à Kinshasa, nous allons nous en rendre compte, allons plus haut. Comme à Kinshasa, la CENI nous enseigne qu'on a envoyé 5 078 483 inscrits. Que, en réalité, pour les vôtres, il n'y a eu que 1 763 070 votants. En 2018, les élections se sont passées sous la pluie. Pendant qu'on se rend compte que Kinshasa, c'est la ville où il y a beaucoup plus d'abonnés, comment pour des élections qui se sont passées en 2-3 jours, qu'il n'y a eu que 1 763 070 votants. Et sur ce nombre-là, le candidat Fayou, on lui donne, on lui attribue combien? 252 000 ou plus de voix. Est-ce que qui peut comprendre ça à la lumière des images? Voilà. Deuxième question. Vous dites donc que la CENI, la population ne puisse pas reconnaître les résultats. Qu'est-ce que vous préconisez comme action? Évidemment, les actions, ça fait partie des stratégies. Si jamais il y a des actions de prévues, nous n'allons pas étaler les actions ici en ce moment, mais ce que nous devons dire à cet instant, la première action, c'est l'éveil de conscience, comme nous le faisons. Et nous vous demandons à vous aussi, comme journalistes, de pouvoir faire ce travail d'éveil de conscience. Parce que cette situation que nous déplorons, elle a une dimension morale et éthique qui affecte durablement, profondément notre société à nous. Notre société à nous. C'est comme ça, quand vous posez la deuxième question en disant qu'est-ce que vous préconisez comme opposition, parce que vous êtes parti en ordre dispersé, et puis après la publication, on vous retrouve ensemble. Je vous vois là-bas projeter déjà la fameuse question qu'on a mise dans notre tête, il faut un candidat commun de l'opposition. Ici, je voudrais quand même vous dire sincèrement, frères et sœurs, nous sommes en démocratie. Quand vous allez en France, où il y a plusieurs partis politiques, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Quand vous allez en Allemagne, où il y a plusieurs partis politiques, parce que ce sont évidemment des pays de vieille démocratie, en Belgique, il n'y a pas un porte-parole de l'opposition, il n'y a pas un candidat commun de l'opposition. Tous, qu'ils soient de l'opposition ou de la majorité, les gens font d'abord au vote, et c'est après le vote qu'il y a des coalitions qui se font. Là où on peut constituer des gouvernements selon des tendances. Qu'est-ce que cela veut dire? Le combat ici,
qu'on ne nous trompe pas en nous fixant, toujours projetant dans cette dynamique d'avoir un candidat comme un de l'opposition. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un candidat comme un de l'opposition? Parce qu'on estime que les gens qui sont au pouvoir, ou tous ces partis qui se constituent du pouvoir, ne font pas le travail comme ils devaient le faire. Alors pour leur barrer la route, il faut que vous vous mettiez ensemble. Mais la conséquence, c'est celle-ci. En 2018, nous avons eu un candidat de l'opposition. Et qui a gagné les élections? Est-ce qu'a-t-il dirigé ce pays? Je vous pose la question, évidemment, c'est vous me direz que c'est pour nous, les journalistes, qui posons des questions. A-t-il dirigé ce pays? Non. Il n'a pas dirigé ce pays. Et pourquoi n'a-t-il pas dirigé le pays? Parce que le problème est au-delà du fait d'avoir un candidat quand même. Le problème, c'est au niveau des règles du jeu. La démocratie veut que les élections soient transparentes, que les élections puissent suivre un certain standard qui est admis par tous. Vous pouvez avoir un candidat commun. Quand la tricherie est bien planifiée, comme nous le démontrons ici, ne vous en faites pas, votre candidat commun, là, le parti ne sortira pas. Nous devons nous battre tous pour que nous puissions mettre une bonne dose d'éthique et de morale dans la gestion de notre pays. Matondimi bandeko balandi Afrika ku télévision. Merci parce que vous allez qui ébélé connecté branché na chaîne na biso wana bouti kolanda conférence de presse au Salema qui na la coordination des opérations électorales ya Lamuka lolenge kanivement bolandi pité na kati ya élément auto uti ko pesa bino lolenge nini yango bazali ko déplorer kaka balobi ke pona bango bandimi ba élection oyo Salema qui na 2023 té oyo mona mboka kadima asala ki na 2023 a organisé qui en République démocratique du Congo bouchikolanda ngona bo kibinyoso biso tosa na makamoto ba commentaire ya ko pesa te bino moko bo commenter bo liker penza bo partager ba element na biso peut-être ba kozala de cité wana na pesi penza un grand merci à mon ami de longue date tonto Atosha, Toto Atosha de London, Yemoko Toto Atosha Kangi de London. Merci Nami Thérèse, merci na Papa Olivier, merci Nadi, merci na ma caméra, merci na Bionyo Sobo na la combattante de la presse congolaise, merci na Bionyo Sobo s'abonner, bo liker, bo partager penza ba vidéo na biso bo kozala penza de cité na bo sanité Roger Soki depuis Suisse na bo sanité YB Yemoko mon ami de longue date na bo sanio TV ma Aigle Zobena depuis Angleterre na pesio penza ba bisou yono otala kabisho penza mikolo kabe ya otala biso makas aigle de petro de pretoria aigle de pretoria mbotina yo tokuta na bina maizo ya bye bye. Afrika cool, ya bena cool. Ouais. Afrika cool, ya bena cool. Le quoi cool matopi. Afrika cool. toujours. Afrika cool. C'est bon. Et sa chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et sa chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nous avons 5 ans de nous souscrire. Donc, ils ont vraiment été au Bakaki. Bouka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Afrique cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Afrique cool télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Voilà. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Mm. Donc Eza et Lorona Bisso. To sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kishasa, il faut na mona Afrique cool. Yo moni ba chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite, je félicite très sincèrement Afrique cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà.
Nazanga moko te tala YouTube ye moko à reconnaître que na pona ki mabete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikala kaka abonné à Africa Cool. Voilà. Comme ça to partageaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino pour tout s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire y a prix Oyo. Voilà. Bravo, Africa Cool. Merci beaucoup. Bonjour. Ah.